Alors bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Heureux de vous retrouver avec une petite dernière. Je pense que c'est une petite dernière pour ce soir. Il se fait tard, 22h57, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous la partager tout de suite, vu mon niveau d'excitation et je sais que vous allez être aussi excités. 19, euh, 19, 19, euh, voyons, 19 octobre 2019, 22h58. Ça n'a rien à voir avec euh, quoi que ce soit de pornographique. Que je, mon excitation, et vous allez comprendre que vous allez être excité aussi. Une petite blague comme ça du samedi soir en passant. C'est le père qui, dit à son, qui demande à son adolescent, Puis, as-tu pensé à ce que tu voulais faire plus tard dans la vie Il dit, Oui, oui, papa, il dit, Oui, oui. Il dit, Je vais être soit livreur de pizza ou plombier. Son père de rétorquer, Arrête de regarder des films de cul, mon fils. Mystérieuse lumière dans le ciel au large de la banlieue de la Caroline du Nord, capturée devant euh, par des caméras, par un, par un, un individu hein, qui était. Ils étaient sur un ferry et ils ont vu des 10, 15, 18 lumières dans le ciel, au loin, vraiment au loin, au large. Ça ne semblait pas être des, des avions. Ce c'est pas des avions, pas des drones non plus, parce qu'on est vraiment au large et très loin. Est-ce que c'est... Des avions ennemis? Est-ce que c'est de la technologie ennemie? Est-ce que c'est des visiteurs qui viennent d'ailleurs? C'est ce qui fait dire à plusieurs que on n'est pas seul. On va aller voir ça. Cette nouvelle-là. Mystérieuse lumière dans le ciel de la Caroline du Nord. Une place que je suis allé visiter il y a deux ans, c'est vraiment beau. Un groupe de personnes sur un ferry au large des Outer Banks en Caroline du Nord ont été abasourdis à la fin du mois dernier en regardant un spectacle mystérieux se dérouler, des lumières inexpliquées dans le ciel au-dessus de l'eau. L'un des passagers a enregistré une vidéo 30 secondes représentant les 14 sphères immobiles planant dans le ciel encore au-dessus de l'horizon alors que le soleil commençait à se coucher. Regarde, rien dans le ciel. Puis, tout à coup, bam, qu'est-ce que c'est demande Williams Guy dans la vidéo en enregistrant le spectacle étrange. Quelqu'un peut me dire ce que c'est demande Guy sur la vidéo. Des gens autour de lui, personne n'avait de réponse. Nous sommes au milieu de l'océan sur un ferry, rien autour, pas de terre, il n'y a rien, dit-il. Un ancien ancienne marine a raconté à, w, à w, WFLD TV que lorsqu'il était stationné à la base de Cherry Point Marine, environ 200 km de l'endroit où la vidéo a été tournée, de puissantes fusées éclairantes avaient été larguées sur des avions au cours d'exercices militaires. Ils ont chacun une puissance de 1000 chandelles. Ils étaient donc très brillants et pouvaient être vus de loin et descendaient lentement alors qu'ils pendaient, pendaient à un parachute. La base aérienne de Seymour Johnson est une autre installation militaire dans la région, environ à 70 km de Cherry Point. Un porte-parole de la base a déclaré que les exercices militaires étaient courants dans la région, mais qu'aucun avion de la base n'était à proximité du ferry le 28 septembre, jour du tournage de la vidéo. On ne sait toujours pas exactement ce que les lumières étaient ou d'où elles viennent. La vidéo a été visionnée à plus de 370 000 fois. Ça c'est la fameuse vidéo en question. The man recording the video can be heard saying he's in the middle of the ocean on a ferry. He says no land or boats were nearby and questions what is this? Online, the video has gone viral with many Donc on se demande ce que c'est hein? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. C'est pas les petites lumières dont l'autre parlait avec des parachutes là. ça a rien à voir. Donc vraiment, vraiment mystérieux. Et on se rappelle tous que, je vous en ai parlé, hein, Tucker Carlson nous avait euh, fait quelques petits euh, topos là-dessus. Donc, le gouvernement a avoué que les vidéos que les militaires ont vues et ont filmées sont vraies. C'est des phénomènes aériens inexpliqués maintenant. Et on voit ces images-là. Hein, euh... C'est vraiment, vraiment. Euh, C'est vraiment spectaculaire. Euh, et entre vous et moi, on a de plus en plus, de plus en plus. Vous voyez vraiment l'image ici, on la voit très bien. Ça n'a rien à voir avec des. Comment ils ont décrit ça? Des... Euh, des fusées éclairantes. Ce n'est pas des fusées éclairantes, là, on est loin de ça. Mais de toute façon, l'armée a confirmé qu'il n'y avait pas d'armes d'avion ce soir-là du, du 28 septembre. Donc, une autre, une autre hein, euh, euh, page dans ce livre des phénomènes aériens non expliqués, une autre, euh, comment dire, euh, preuve peut-être, hein, d'une présence déjà depuis plusieurs milliers d'années peut-être. Je ne sais pas c'est à vous de tirer la conclusion, mais j'étais sûr que c'était pour vous exciter. En ce samedi soir. Une petite soirée euh, peinarde, 2 degrés, on approche du zéro. Je me demande même si on ne l'a pas atteint. Je ne serais même pas étonné. Passez une bonne nuit, je ne pense pas que je vous revienne avant demain matin. On va se revoir bientôt, dans moins de 5 heures. Le dimanche, c'est la grosse journée au resto. Je vous retrouve plus tard.